Thank you.
au jeu là encore. 15 minutes. Mais là, on est essoufflé là. Mais oui, c'est peut-être qu'il manque caméra. Oh là là. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut montrer la, le souffle de, du sport. Le souffle. Ouais. Parce que là, il y a combien de joueurs maintenant. Là, ça va jouer là. Voilà, là, je vais aller maintenant. Il y a combien de buts qui arrivent là? Il y a combien de buts qui arrivent là? Combien de minutes? Combien de buts qui va arriver là? Ah bon, je peux rien dire parce qu'on est tous, tu vois, quand Babou il est gros, toutes les femmes sont comme ça. Mais là, il y a, je vois, il y a soulevé la plaque, elle met dedans. D'accord, bon, deux ou trois? Bon, un seul, ça va. Je n'ai pas confiance. Eh, si je joue fort. Ok. Il va y avoir un truc pour mentir. Hein. Dites-moi ce que vous avez vu par rapport au match qui vient de. Nous sommes en première mi-temps, donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu votre impression, s'il vous plaît. Donc je me présente, je suis anticonformiste, un babophile, confirmé et affirmé. Donc au moins, ce que j'ai vu depuis tout à l'heure, c'est un match de football plaisant entre patriotes, comme je l'ai dit tantôt. Surtout ça concerne des femmes, on n'a pas l'habitude de voir ça, donc pour une fois que des femmes jouent, on ne peut qu'en être content et fier. Donc c'était l'occasion pour les encourager par rapport à ce genre de manifestation. Voilà. Votre point de vue sur le match qui vient de se dérouler et que vous êtes à la première mi-temps? Ben, après 10 ans sans jouer au foot, ce qu'on a montré, c'est quand même pas de l'amusement. Hein. J'ai eu 3 occasions que j'ai ratées. Bon, je n'étais pas en jambes, mais je pense qu'à la deuxième mi-temps, je vais fournir assez d'efforts et ils seront matés. Elles seront matées. Ah, ouais, combien de buts là? Combien de buts là? Ben, nous sommes à 0-0. 0-0, et combien de buts là au deuxième mi-temps là? Ben, 2 buts. Deux buts. Voilà. Ok. Voilà. Allez, merci. Sinon, on a quand même montré qu'on connaissait un peu le foot. Oui. Par rapport aux dispositions des éléments. Donc voilà, on promet de mettre 2 buts tout à l'heure. Viens voir là. On a revu le jeu, on sait comment. Elles ont une professionnelle qui jouait à San Pedro, mais nous on fait rien avec, comme les Ivoiriens le disent. On va les marquer. C'est mon dernier mot. Okay. Merci bien, jusqu'à Dieu, merci. Là, il y a Rachel aussi, qui fait l'équipe de Pisca, c'est Bago. Nous avons dominé la première mi-temps. Nous avons eu pitié d'eux parce qu'on n'a pas voulu marquer. Donc à la deuxième, nous avons marqué 3-0. Oh voilà. 3-0. Oui, 3-0. Voilà. Merci bien. Ok, allez, bonne chance. Hein. Bonne chance. Au revoir. D'accord. Avec vous, voilà. Comment vous trouvez la Premier supporter des femmes. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là de la première mi-temps des femmes là qui viennent de jouer? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Bon, c'est le début. Donc, j'ai vu des femmes bien déterminées qui jouaient aussi mieux que. Sinon, autant que les hommes, mais c'est très bien. Je pense que nous sommes venus pour faire une bonne ambiance, une œuvre, c'est vrai, humanitaire. Mais je pense que ces rapports sont de nature à consolider nos relations. Donc, c'est une bonne chose. Là, je vois que tu es en tenue, là. Hein. Il y a tout là. Je suis arrière central. Et on va gagner les euros et consoles. On est là pour ça. Ok. Voilà. Ben, bonne chance. Merci beaucoup.
Mon frère,
demain, si j'ai au rendez-vous. Comment tu vas? Je vais vous en prie, c'est pas vrai. Sportif. Je suis le coach, donc j'ai droit à ce divertissement là. J'ai droit à cette collation. Arbitre.
Et la buteuse là, y a une chose à dire là. On alors, a quand... gagné. Super. Alors Monsieur Oro, coach des Invincibles. Là, vous allez passer à l'action, là. Mais tout à l'heure, vous allez assister à une démonstration de football professionnel. Ouais, sérieusement, vous allez jouer aussi? Je suis là derrière pour juste organiser mes joueurs, pour organiser des gloires et des athlètes de haut niveau. D'accord. Et vous prenez stické combien, là? Au minimum 3-0. 3-0? Pour nous. C'est petit pour vous, ça, non, pour des professionnels? Non, juste pour ne pas les humilier. D'accord, ok. Alors, on pronostique combien là? On pronostique moi les gagner 3-0. 3-0? Oui. Bah, vous vous êtes passé le mot ou quoi? Non, mais on se fait confiance avec le Qatar. Non, j'ai été voir l'équipe adverse, hein, ils ont dit 3-0 aussi. Hein. Non, parce que nous, on est le Qatar, on va les gagner. Ah, le Qatar gagne toujours, c'est ça? Toujours, oui, le Qatar gagne toujours. Ok, bon, c'est comme vous voulez. Okay. Eh bien, bon courage à vous. Hein. Ok, merci beaucoup. Je vous assure que il y a l'équipe des oranges. Non.
Après les filles, c'est l'examen, donc comment vous trouvez ça? Le match c'était bien, ça nous a permis de voir nos frères se défouler un peu, voir qu'ils avaient encore un peu de souffle, et je trouve qu'on devrait refaire ce genre d'opération plus souvent. Ok, à l'avenir. À l'avenir, okay. Donc il y a maintenant une ouverture. J'espère. On fera ça. Merci bien, monsieur. Vous avez joué tout à l'heure et vous regardez le match des hommes. Comment vous trouvez ça? Ça se passe bien? Oui. Oui. Vous aimez l'ambiance? Comment elle se déroule? Oui, très bien. Merci bien. Merci bien. Donc voilà, le match vient de commencer. Je vous quitte. Non, 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 non
Dégager, oui, orange, enfin plutôt noir, l'équipe en noir, habillé en noir. Thank you.
Come on, come on!
Mais Tagro,
C'est de quoi regarde ton sac. C'est la main.
remplaçant. C'est moi. Attends, c'est la c'est ça, oui, c'est ta boule. Mais Gauchy, tu joues. C'est la meilleure fois qu'il va. Un caméraman qui quitte la tribune. Il y a un jeu. C'est business ou c'est quoi? C'est quoi ça? Yeah.
Aujourd'hui, tu es la bite. Je voulais dire à l'équipe de Zap Crasso. Non, je ne vais même pas dire cochien parce que je garde le nom de ce grand mouvement. L'équipe de Zap Crasso a été nulle. Nous les avons battus 2-0. Et on les bat aller et on les battra retour. Mais c'est avant, ça que la vérité. Avant, ils ont dit 3-0 hein, pour vous. Hein. 3-0 mais ah, mais j'ai oublié un but. Donc non, c'est non, pas non, 3-0. C'est ce qu'ils voulaient vous donner. Avant, ils voulaient me donner un but. Quoi, tellement ils sont stupides. Non, non, ils voulaient vous infliger ça. Avant, mais ils sont fous. Allez, merci. Merci, Abel. Excusez-moi, messieurs, après un match comme ça, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, j'ai plus de la peine. Là, on va dire que c'était l'inversion des rôles. Hein, non. Nous avons battu 2-0 proprement, j'avais pronostiqué 3-0, mais pour des raisons. Par charité chrétienne, nous n'avons fait que 2 buts. Vous n'êtes pas les humiliés. Mais vous avez quand même pris 2-0 là. Non, c'est nous, on a gagné 2-0. Là, vous avez gagné 2-0. C'est mon équipe de Orange, tu en as quoi? Bon, ben, autant pour moi. Mais si les éléphants veulent de lui, on peut le prendre. Ah, donc c'est pour ça que vous avez pitié d'eux là. Oui, les gens qui sont en blanc. Ah, ok, d'accord. À présent, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne fonctionne pas. D'accord, donc alors c'est vous le futur entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il faudra qu'il discute avec mon agent. Parce que pour l'instant, je... Ben, la Michi, là, il est petit. Actuellement, non, la Michi, c'est comme si on a donné une Ferrari à un enfant de 18 ans qui vient d'avoir le permis. Ok, bon, ben, monsieur, on vous attend à Abidjan. Oui, oui, je viendrai. Mais il faut qu'il vienne voir mon club pour voir combien pourrait évaluer mon transfert. Ok. Ah, vous évaluez à combien déjà? Combien vous prenez? La dernière fois, c'est à 90 millions. Ah, 90 euros. Millions. Ah, d'euros. Oui. Monsieur Oro. Ouais. Un petit mot là. Vous avez marqué 2 buts. Oui, c'était prévu. J'avais déjà dit aux gens que j'allais marquer. Je suis un buteur maison. Un buteur maison. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais mettre encore 2. Ok. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Il paraît qu'on vous appelle la Maradona féminine de la résistance. Certainement. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Et vous jouez à quel poste? Je joue à quel poste? Oula. Défense, non, c'est défense, ça? Défense, libéro, vous êtes... J'en sais rien du tout. C'est qu'est-ce que j'étais là, à côté des buts, là. Vous pensez qu'on peut être aussi belle puis jouer au foot? Ah ça bah, va pas ensemble, non? Après, c'est des... Monsieur Ephraim, pourquoi vous voulez me fatiguer là où je suis? Merci. Oui, je pense qu'on peut être belle et jouer au foot. Quoique, il y a tellement de belles filles, là. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Zap Crasso du COGEP. Oui. Zap Crasso. Attends, Zap Crasso. Ouais. Zap Crasso du COGEP. Il paraît que vous êtes un super... arrière central. Oui. Et à votre avis, quel sera C'est un gardien mouton. C'est un gardien mouton. Il dit, oui, tu enregistres là. Il dit, c'est un gardien mouton ce type. On l'a vu tout à l'heure. Lui-même, il a je vu. Je constate que sa carrière est simplement jaloux. Non. Il a vu, il était gardien mouton. Il a pris ballon pour mettre dans pilé lui-même. Merci. Il n'a pas fini. Non, je disais que bon, c'est un bon tournoi. Et il y aura la finale, mais je parie que le COGEP va gagner la coalition. CRI panafricain, UNG, CEPAD, CDR, CRD réunis contre le seul COGEP. Mais nous, on n'a pas peur. Parce qu'on a l'équipe, puis on a le cœur, puis on a les hommes. Donc merci. On va gagner. Merci. Tout à l'heure, je viens donner le verdict. Merci, Frère Zap. Voilà. Bonjour mesdames, quel est le nom de votre équipe? Les Invincibles. Les Invincibles, c'est-à-dire. Et qui est la capitaine? Je suis là. Et vous allez. Capitaine, Alice Bao, capitaine de l'équipe. D'accord. Est-ce que je peux avoir vos noms individuellement? Alice Bao. Moi, je m'appelle Rachel José. Brigitte Couillot. Daniel Seri. Marie-Paul Begré. Clarisse Plaignant. Audrey Nesson. D'accord. Et qui est votre entraîneur?
Merci beaucoup, on se retrouve à la fin. Tu joues là-bas? Non, bonjour. Bonjour, quel est le nom de votre équipe? Cap Rouge. Quel est le nom de votre équipe? Cap. Quel est le nom de votre équipe, s'il vous plaît? Hein? Et qui est la capitaine? Capitaine, c'est moi qui suis la capitaine. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est le but de ce tournoi? Mademoiselle, vous êtes un grand footballeur. Il ne sait pas parler. Merci. Ah, le but, c'est pour récolter des fonds pour amener aux enfants réfugiés qui sont dans les autres pays. Donc c'est une très bonne cause. Voilà, c'est une bonne initiative. Nous sommes fiers de nous. Merci beaucoup. Et bravo à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Alors, Mme Sonia, oui. pensez-vous qu'on peut être aussi belle puis être une bonne footballeuse? Bah bien, bien sûr, la preuve. Et vous jouez quel poste? Ailier gauche. Ailier gauche. On verra tout à l'heure. Merci. Prisca Digbe. Prisca Digbe. Prisca. Prisca. Capitaine. Alors, le but de cette rencontre, c'est quoi? C'est à titre festif d'abord. Et puis, on veut récolter des fonds pour les réfugiés de la sous-région, c'est-à-dire Ghana et Togo. Ça a été fait par une ONG qui est Sion d'Espoir. Donc, voilà. Et quelles sont les deux équipes qui vont se rencontrer là? Bon, ça c'est l'équipe de Martine qui est la capitaine. Bon, ouais. C'est pas le nom de l'équipe. Ouais. Nous sommes les deux équipes. Donc, voilà. Bon, d'accord. Donc, nous allons donc assister à la plus grande rencontre. Habit, est-ce que c'est la finale? Rachel, est-ce que vous avez un mot à dire? Vous pensez que vous allez gagner ce match? Bon, ce match, nous allons le gagner parce que c'est une revanche. Et nous pensons que la première, comme on dit mi-temps, il y a la but qui avait triché. Donc, bon, on a laissé gagner les autres. Et maintenant, on ne va pas les faire les cadeaux. On va gagner. Nous sommes prêts. Audrey, pourquoi vous avez un maillot différent? Ben, parce que moi, je suis nommé l'équipe. On ira jusqu'au bout de Laurent Gbagbo. Merci. Voilà. Mais Adelaïde, ma chérie, alors est-ce qu'on peut être aussi belle et peut être footballeuse? Oh, ben, je réfère faire mes talents de l'époque. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ballon. Merci. Alors, nous allons assister à une rencontre, à une compétition qui va opposer. Prisca, qui va opposer quelle équipe? Parce que c'est filmé, hein. Ouais, bah, tout à fait. D'accord. Donc nous allons ainsi assister à l'encontre de l'équipe de l'invisible. Invincible. Donc on aura avant-centre Prisca Digbe. On aura ailier gauche. Comment s'appelle ailier gauche? Ailier gauche, c'est qui? Il est de l'autre côté là-bas. What's your name, please? My name is Jackie Brown. Ah, Jackie Brown. Okay. Et on aura latéral Maman Gbagbo, latéral ailier gauche aussi. On aura Audrey, on aura. Et ici on a Mathilde. Et c'est parti. C'est parti. Et j'ai pas assez de. C'est où, Allah? C'est là, les deux? Ouais, les deux. Et Daniel, là-bas, c'est qui? C'est parti! C'est parti comme ça, c'est parti, c'est parti. 12! 12! 12! Thank you.
non, je suis mort. Arrêtez! Où dans le caméra? Non, perte toi. La vie, ça y est, c'est compté. Une levée de fonds que nous on a pu faire aujourd'hui. En fait, cette levée de fonds-là, c'était bientôt c'est la rentrée scolaire 2013-2014. Donc on a pensé aux enfants qui sont en exil pour pouvoir venir en aide aux parents pour faire la rentrée scolaire de leurs enfants. Vu que bon, c'est la rentrée aussi ici, qu'on ne pouvait pas faire cette levée de fonds, faire une publicité pour faire une collecte de fonds. Donc on a pensé à ce projet de barbecue Maracana. Pourquoi Maracana dans un barbecue? Parce que le sport, le football, c'est un sport qui regroupe, qui rassemble. Donc on a pensé à un football qui a le côté convivial pour accompagner ce barbecue-là. D'accord. Donc, je suis très contente que ça s'est bien passé, même s'il y a quelques pourris, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est l'Africain, toujours, quand il y a du monde, il y a de l'alcool, c'est comme ça, mais ça s'est très bien passé. Et les enfants là-bas, c'est quels enfants? Ce sont les enfants réfugiés? Ce sont les enfants réfugiés parce que depuis décembre 2012, on a déjà fait, un arbre de Noël pour apporter un soutien moral, un soutien financier. On s'est occupé de plus de 326 gosses en 2012. Et c'est dans le même élan, c'est dans la même continuité de nos actions que nous continuons à aider, à supporter les parents et les enfants qui sont en exil. L'argent récolté servira à acheter des affaires scolaires. Voilà, à défaut de d'envoyer des kits scolaires, on a préféré faire une collecte du genre faire du barbecue. Et cette somme, après ce barbecue-là, la somme qu'on aura sera acheminée vers ces personnes qui ont besoin de nous, ces personnes qui sont déplacées au Ghana. Donc, en tout cas, merci d'avoir pris cette initiative. Hein. Et c'est quand la prochaine manifestation? Bon, la prochaine manifestation, bon, vu qu'on n'a pas encore fait notre sortie, nous sommes en train de voir le mois de décembre, notre sortie officielle. Nous sommes en train de voir, si on d'espoir en train de voir sa sortie officielle, qui sera certainement au mois de décembre. Parce que pour faire une belle sortie, il faut s'y préparer. Donc nous allons préparer et ça sera au mois de décembre. Mais la date n'est pas encore précise.